En pleine rentrée, le marché des crypto-monnaies semble battre son plein. En particulier, la alt season a repris, comme en témoigne Ethereum, qui se rapproche de son ATH. Cependant, comme toujours, savoir sur quelle crypto miser n'est pas une tâche aisée. En effet, il existe plus de 8000 projets dans cet univers, avec des propositions plus intéressantes les unes que les autres. Alors, dans la vidéo du jour, je vous propose d'y voir plus clair en vous donnant mon top 3 des altcoins à suivre pour septembre 2021 et la fin d'année en général. J'ai choisi des projets du top 100 qui ont encore des échéances pour 2021 et qui pourraient voir leur prix encore exploser dans les prochains mois. J'ai classé ces trois projets du moins connu au plus connu, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour tous les découvrir. Si cette vidéo atteint les 200 likes, je vous ferai une deuxième partie avec des projets moins connus qui ne figurent pas dans le top 100 des crypto-monnaies. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous souhaitez comprendre les crypto-monnaies, en découvrir d'autres et pourquoi pas des méthodes d'investissement, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos, car c'est exactement ce que je vous propose sur cette chaîne. Plongeons sans plus attendre dans notre top 3 des altcoins avec le plus de potentiel pour la fin d'année. Pour chaque projet, je vous donnerai une idée du prix qu'il pourrait atteindre d'ici la fin d'année. Pour rappel, ce n'est qu'une estimation et je ne suis pas conseiller financier. Mes vidéos sont à but purement éducatif. Mon choix numéro 1 s'est porté sans surprise sur le leader des réseaux d'applications décentralisées, à savoir Ethereum. Même si le potentiel à la hausse est plus faible pour Ethereum que pour les autres projets, Ethereum est le projet qui a le plus de chances de voir le cours de son token augmenter dans les prochaines semaines selon moi. Pour ceux qui l'auraient manqué, le protocole EIP-1559 a récemment été intégré à la blockchain. Parmi les innovations apportées par le London Hard Fork du 5 août, le protocole EIP-1559 est un des plus significatifs. Désormais, une part des frais collectés sur le réseau est brûlée. Plus le réseau est utilisé, plus les frais payés augmentent, plus la quantité d'Ether disponible baisse car ils sont brûlés en partie. Ainsi, pour la première fois début septembre, sur 24 heures, plus de tokens ont été brûlés qu'émis, une première pour le réseau. Si cette tendance s'accentue, Ether pourrait devenir une monnaie déflationniste. Son prix augmentera alors inexorablement. Le nerf de la guerre sera donc l'utilisation du réseau, car plus le réseau sera utilisé, plus le nombre de tokens brûlés sera élevé. Et à ce niveau, que dire d'Ethereum qui ne cesse d'impressionner? Pour la première fois de l'histoire, en juillet dernier, Ethereum a dépassé Bitcoin en termes d'adresses actives sur le réseau. Alors que les applications décentralisées à succès sont légion, le réseau Ethereum ne cesse d'étendre ses activités. PayPal a récemment annoncé souhaiter se rapprocher des plus grands protocoles de la DeFi, tous développés sur Ethereum. La Banque Centrale d'Israël a quant à elle effectué des tests sur le réseau Ethereum pour les recherches sur l'émission d'une monnaie digitale. Plus impressionnant encore, on pourrait dans les prochaines semaines voir apparaître un ETF Ethereum. Deux demandes pour en créer un ont été formulées auprès de l'autorité des marchés financiers américaine, dont on attend toujours la réponse. Contrairement aux ETF Bitcoin, qui sont refusés, l'autorité des marchés financiers pourrait statuer différemment pour cette monnaie. Verdict à la fin du mois, car c'est la date maximum à laquelle la SEC pourra rendre son verdict. Tous ces succès d'Ethereum, c'est sans compter la plus grande avancée de l'histoire du réseau. Cette avancée, c'est Ethereum 2.0. La mise à jour faisant passer le réseau d'un mécanisme en preuve de travail qui repose donc sur le minage à un mécanisme en preuve d'enjeu qui repose sur le stacking. Cette mise à jour présente trois avantages considérables. Premièrement, un réseau en proof of stake a des capacités beaucoup plus élevées en termes de transactions, permettant au réseau de fonctionner correctement. Quand on connaît le problème des frais sur Ethereum qui ont parfois atteint trois chiffres, on comprend à quel point cet enjeu est crucial. Deuxièmement, le minage est très polluant de par la consommation d'énergie qu'il implique. Un réseau en preuve d'enjeu est bien plus écologique sur ce plan. Troisièmement, avec le stacking, il est possible de générer des intérêts et du revenu passif aisément avec ces crypto-monnaies. D'après la roadmap du projet, la transition totale vers Ethereum 2.0 devrait avoir lieu en fin d'année. Alors, en combinant le côté déflationniste d'Ethereum, l'adoption croissante du réseau, la potentielle arrivée d'un ETF Ethereum et la transition vers Ethereum 2.0, on peut facilement imaginer un Ether à 7000$ d'ici la fin de l'année 2021. Mon choix numéro 2 est un projet beaucoup moins connu. Il s'agit du projet Terra et de son token, le token Luna. Un des éléments qui a poussé la croissance du projet est sans doute le succès de son stablecoin Terra US Dollar. Ce stablecoin est celui dont la croissance est la plus élevée en 2021, puisque sa market cap totale est passée de 200 millions en janvier dernier à quasi 2,5 milliards aujourd'hui. En clair, c'est x12 en 8 mois. Plutôt impressionnant. Et cette demande en Terra USD porte chaque jour plus haut le cours du token Luna. Si la demande en Luna est liée à la demande en Terra USD,
c'est dû au mécanisme d'émission des Terra US dollars. Pour chaque Terra USD émis, un montant équivalent en Luna token est brûlé. Ce système d'arbitrage permet au stablecoin de rester constamment au cours souhaité, à savoir 1 dollar par token. La demande en Terra USD est portée notamment par les deux protocoles de la DeFi qui sont les moteurs de l'écosystème Terra. Le premier des deux est le Anchor Protocol, sur lequel sont investis pas moins de 2,8 milliards de dollars. Ce protocole vise à utiliser les offres de stacking et de lending des autres blockchains pour offrir des intérêts stables de presque 20% sur le Terra USD. En effet, jusqu'à aujourd'hui, seuls des intérêts variables calculés plusieurs fois par jour existaient dans l'écosystème blockchain. L'innovation offerte par ce protocole en a fait un véritable succès. À l'heure actuelle, plus de 3 milliards sont investis sur ce protocole, signe de sa réussite. Le second est le Mirror Protocol. Mirror permet l'échange de produits synthétiques contre des Terra US dollars. Ce protocole est d'ailleurs devenu le leader de ce marché, avec plus de 1,7 milliard investis sur ce protocole. Sur la plateforme Mirror, vous pouvez investir sur des entreprises comme Apple, Google ou encore Netflix. Quand on compare la valorisation de ces projets au total qui y est investi, on comprend aisément que ces deux projets sont assez largement sous-évalués. L'objectif à terme de Terra est de créer tout un écosystème financier capable de remplacer l'écosystème financier actuel. Ils ont déjà réussi à avoir un énorme succès avec une application de paiement en Corée du Sud, équivalent d'Apple Pay intégrant des crypto-monnaies. Un des sérieux avantages du stablecoin Terra US Dollar et qu'il pourrait profiter de la lutte contre les stablecoins centralisés que pourrait mener l'autorité des marchés financiers états-uniennes. En effet, comme le protocole est totalement décentralisé, il devrait échapper à cette régulation et profiter de la situation. Alors, avec la demande en Terra USD qui s'annonce toujours plus élevée, je pense qu'il ne serait pas étonnant de voir un token Luna titiller les 100$ d'ici la fin de l'année. Mon choix numéro 3 s'est porté sur un projet bien connu de la communauté francophone. Il s'agit du projet Elrond, et son token, le GLD. Dernièrement, de nombreuses annonces ont été faites par l'équipe derrière ce projet. Ce réseau aux performances records devrait voir son développement encore s'accélérer dans les prochaines semaines. Bien qu'on n'ait pas encore de date concernant le lancement définitif de la plateforme, l'exchange décentralisé Maillard Exchange devrait voir le jour avant la fin de l'année 2021. Directement disponible depuis l'application Maillard, cet exchange devrait vraisemblablement être un succès dès son lancement. Avec la liquidité qui sera apportée à la blockchain, le cours de l'EGLD pourrait encore augmenter. Je vous parlais d'ailleurs déjà du potentiel avec le lancement de cette plateforme lors de ma dernière vidéo sur Elrond. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore le cas et que vous êtes intéressé par ce projet. La DeFi sur la blockchain Elrond, qui avant même son lancement ne cesse de s'enrichir de nouveaux éléments. Ainsi, un récent partenariat avec Horus permettra le lancement de stablecoins basés sur les prix de l'or, de l'argent et du platine. Ces stablecoins seront émis sur la norme des tokens USDT, qui régit les stablecoins sur la blockchain Elrond. Grâce à sa blockchain en Proof of Stake, Elrond est un des réseaux les plus écologiques et économiques à utiliser. Ces arguments leur ont permis de convaincre bon nombre de partenaires. Une collection de NFT en rapport avec le cricket seront émis par Rario sur cette blockchain. Ce sport, peu connu chez nous, est un véritable succès en Inde où il est le sport leader. Si Elrond devient une référence dans ce pays, ça pourrait être significatif pour la blockchain. Un autre secteur très en vogue en ce moment ne devrait pas tarder à faire son arrivée sur la blockchain Elrond. Il s'agit du secteur des applications de jeux décentralisées avec une crypto-monnaie intégrée. Deux partenariats ont été noués en ce sens. L'un avec Saito pour intégrer l'EGLD aux différents jeux développés par ce dernier. Le second, annoncé début septembre, l'a été avec CDFi qui facilitera le développement et le lancement de jeux sur la blockchain Elrond. Quand on voit le succès des jeux en Play to Earn comme Axis Infinity, on comprend l'impact que cela pourrait avoir sur la blockchain Elrond. Alors, entre l'arrivée de la DeFi, l'émergence de stablecoin et le développement de NFT dans le sport et les jeux en ligne, je pense que la blockchain Elrond est promise à un grand succès pour les derniers mois de l'année 2021. L'équipe derrière le projet ne cesse de s'agrandir, et voir un token EGLD s'approcher des 400 à 500 dollars d'ici la fin de l'année ne serait que la conséquence logique de ce développement à mon avis. Bien sûr, cette liste de 3 projets n'est que mon avis. D'autres projets ont énormément de potentiel et pourraient avoir énormément de succès dans les prochaines semaines. Si cette vidéo atteint les 200 likes, je vous ferai une partie 2, spécialement avec des petits projets, que vous ne connaissez probablement pas, mais qui pourraient grandement vous intéresser. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les projets que vous suivez de près et pourquoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me rejoindre sur Instagram,
Le lien est en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle.